monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, un colis qui me provient de chez Airsoft Entrepôt. Donc le délai de livraison est très court vu que je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai pris par Chronopost livraison en 24 heures. Parce que sinon la livraison était prévue pour demain, mais vu que demain je ne suis pas là, j'allais avoir un petit problème de livraison. Donc j'ai préféré payer un tout petit peu plus cher et l'avoir plus tôt, quoi. Donc voilà, carton très très bien emballé, hein, Airsoft Entrepôt à chaque fois, aucun problème. Donc bah tout d'abord, on va commencer par l'ouvrir, hein, ce fameux carton. Donc toujours avec le couteau. Hop. Voilà. Donc c'est léger, parce que c'est pas des trucs vraiment lourd, mais ce sont des choses qui coûtent un petit peu cher quand même. Voilà. Donc hop, donc c'est très bien emballé, on a hop un petit bout de carton aéré, on va dire, pour protéger tout ça. Et tous les articles sont bien évidemment dans du papier bulle, donc on va commencer. Hop. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc hop, une gâchette speed. Donc vraiment belle. Pour mettre sur ma M4. Donc voilà, c'est que des pièces de ce style là. Hop, un nouveau moteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a un testeur de batterie lipo. Ensuite nous avons, alors, si j'arrive à l'ouvrir, bah, celle-là elle est bien emballée, je peux vous le dire. Alors y arriver ou quoi, une batterie lipo, donc une 7-4. Je voulais prendre une 11-1, mais bon, on verra par la suite quand j'aurai changé tout le reste. On a un nouveau ressort, donc je vais voir si je le change ou pas. C'est un ressort M90 il me semble. Voilà, donc je vais bien voir si je le change ou pas. Dans l'immédiat, on verra par la suite. Ensuite, on a un chargeur de lipo. Donc pour la lipo, bien sûr. Qu'avons-nous ensuite? Ensuite, nous avons un canon de précision. Donc toujours pour ma M4, hein. Tout ça, c'est pour ma M4. Et enfin, pour finir, nous avons un joint hop-up. Voilà. Et bien sûr, les factures qui vont avec. Donc voilà, le colis est vide. Donc, beaucoup de petits trucs d'upgrade. Donc là, il y en a, je sais plus exactement le prix, mais il y en a pour pas loin de 200 €. Ça peut paraître un peu cher, mais bon, c'est ça l'upgrade. Après, par la suite, je vais peut-être voir pour mettre un MOSFET. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voir changer des gears, pourquoi pas. Et puis, bah, on verra. Je vais déjà tester avec ça ce que ça vaut. Puis, on verra. Donc, voilà. Hop. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Voilà, Airsoft Entrepôt, aucun problème à chaque fois que je commande chez eux, toujours bien emballé, donc voilà. Je vous ferai des vidéos de ma M4, bien sûr d'origine, donc la review normale. Je ferai des petits tests et tout, tir d'origine, et après je l'upgraderai et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.